Le 25 avril 1795, on a retrouvé dans un puits le corps de Patrick Kane à Québec. C'est l'enquête de coroner qui nous permet de faire revivre cet événement aujourd'hui. Sinon, ce serait passé complètement inaperçu. Les journaux n'en ont pas parlé, comme plusieurs autres cas d'ailleurs qu'on a déjà vus. Donc, les journaux ne couvraient pas nécessairement toutes les causes d'homicide, en tout cas à cette époque-là. Ou du moins, on en a perdu des bouts. Il y a peut-être des manques à quelque part. Mais Patrick Kane, au moins, sa mort a été classée comme un homicide par le coroner. Mais ça reste non élucidé parce que on n'a pas d'autres détails. Donc, ça semble n'avoir jamais été résolu, ce crime-là. Encore une fois, malheureusement, c'est un tout petit dossier dans le sens documentaire du terme, je veux dire, parce qu'on a très peu de détails. Encore une fois, ça s'en vient, je vous le promets depuis déjà longtemps, depuis plusieurs semaines, qu'on va avoir des dossiers plus étoffés. Le suivant va l'être un petit peu plus. Mais celui qui va suivre ensuite, là, à partir de 1801, donc le tout premier dossier qu'on va traiter pour le 19e siècle, va être un petit peu plus étoffé en grande partie parce que on a publié un certain volume, là, un certain livre qui n'était pas très, très, très volumineux, mais on a publié l'histoire du procès à l'époque des faits. Donc voilà, c'est tranquillement pas vite. On va y arriver finalement. Merci beaucoup, bonne journée.